Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une société canadienne, Pembina Pipeline, qui donc a annoncé une hausse de son dividende de 0,97%. Alors Pembina Pipeline, donc symbole PBA, donc est une société canadienne donc du secteur de l'énergie. Elle est spécialisée dans le stockage et le transport de gaz et de pétrole. Elle a annoncé donc une hausse de son coupon le 8 mars 2021. Précédemment, le coupon était à 0,1542 et là maintenant il va passer à 0,1658. Vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est clair, mais la particularité de Pembina, c'est qu'elle distribue en fait un dividende mensuel. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, mais c'est toujours sympathique de recevoir un revenu passif tous les mois de la même société. Donc, c'est la raison pour laquelle là, l'augmentation de dividende annoncée donc était à zéro, parce que bon, le système a indiqué zéro alors que c'est 0,97%. Mais à savoir que le rendement du dividende était quand même très très élevé, il est à 6,88%. 6,86%, pardon. Le prix actuel donc de Pembina donc est à 29,01 pour une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars canadiens. Attention. Alors si on fait une projection d'un investissement de 1000 dollars sur la société Pembina, on sait que 1000 dollars donc vont se transformer en un revenu passif donc annuel. En dividende de 69 dollars, d'accord, sur les 12 prochains mois. En 2026, donc ces 69 dollars vont se transformer en 110 dollars. En 2031, on touchera donc un revenu de 174 dollars. Dans 15 ans, donc en 2036, le revenu annuel donc en dividende sera de 275 dollars. Et en 2041, le revenu annuel sera de 436 dollars. Donc imaginez la puissance en fait du modèle. Il est colossal. On transforme en fait un revenu passif avec un investissement de départ de 1000 dollars. Donc le revenu passif est donc au départ de 169 dollars pour passer dans 20 ans à 436 dollars par an. Donc l'effet de levier là, pour le coup, il est vraiment très très important. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Allez, au revoir.